OK, OK. On parle de Christian Tétrault qui est là avec nous. Alors, elle est directrice marketing du groupe Maurice. Lui, c'est un chef cuisinier de la résidence Gibraltar à Québec et ensemble. Oui. Ils vont nous montrer, là, que, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, c'est possible de bien manger dans les résidences pour personnes âgées. Oui. OK, on va avoir la preuve, on va rejoindre... Judith Leveux et André Boulay. Allons, André. Judith, tout à l'heure. Ça fait plaisir, André, de vous recevoir. Parce qu'on a l'impression, peut-être fausse, sûrement fausse, vous allez nous le prouver, que les résidences de personnes âgées, on mange juste du mou. C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. C'est plus comme ça. On mange de tout. Des moules, des steaks frites, des corrides d'agneau. Tout. Hein? Comme parce que ça a changé, là. On n'est pas juste... Il fait pas... Non, la moule. Ils l'ont pas vu encore, la moule. Alors, oui. Donc, aujourd'hui, vous allez nous préparer, justement... Un petit pavé de saumon, vinaigre de framboise. C'est gars, quand même. Puis on va se faire une petite entrée, un feuilleté de champignons. Mais c'est comme ça, chaque jour? Tout le temps. C'est pas juste le dimanche. Non. Même le samedi, c'est plus haut encore. Ah oui? Ah oui? Des petits châteaux brillants, des corps et d'agneau. Oui, oui. Et financièrement, c'est viable pour les résidences? Oui. Oui, pour nous autres, oui. On a des bons budgets. Puis on fait de la bonne bouffe, puis tout le monde est content. Seules nos maisons sont pleines. Vous faites de la bouffe depuis combien de temps? Ça fait 40 ans. 40 ans quand même. Est-ce que c'est récent que vous faites de la bouffe, par exemple? Ça fait 8 ans. 8 ans? Quand on vous a approché, avez-vous hésité? Vous pour venir ici? Non, pas venir ici. Pour venir pour faire de la bouffe dans les résidences? Non, je suis rendu là. Oui. Je suis rendu là. Puis ils m'ont demandé de changer les menus, puis faire pour... Et la perception. C'est ça. Bien, merci, on va vous recevoir tout à l'heure. Merci, on va vous recevoir. Alors oui.